Salut à tous et bienvenue, je suis Linklegis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure qui démarre, une nouvelle vieille aventure, puisque vous le voyez, nous sommes sur Star Ocean 2, The Second Story, sorti à l'époque sur PlayStation 1, et ça remonte à quand même pas mal de temps, vous l'avez vu lors de l'intro. Le studio Enix, hein, qui du coup à l'heure actuelle est devenu Square Enix, etc., etc., etc. Beaucoup de noms de studios qu'on connaît, que l'on ne connaît plus au final, ou qu'on connaît sous d'autres noms. Mais du coup, j'avais très envie depuis très longtemps de lancer ce jeu parce que j'ai un passif avec ce jeu. Je ne l'ai jamais terminé et il se trouve que c'est l'occasion. Je l'ai lancé une première fois il y a très longtemps, lorsque j'étais jeune, sur PlayStation 1, et je ne l'ai pas terminé à cause d'une corruption de sauvegarde, la fameuse carte mémoire, hein, la bonne vieille carte mémoire qui avait planté, donc je ne pouvais pas le finir, et j'étais quand même bien avancé dans le jeu. Plusieurs années plus tard, je me suis lancé donc en live à faire ce jeu, sauf qu'en plein milieu, j'ai changé de PC, et je n'ai pas pu récupérer la sauvegarde, donc encore une fois, je l'avais commencé, et je n'ai pas pu le terminer. Aujourd'hui, eh bien, je lance ce jeu pour cette fois-ci le terminer. Du moins, j'espère. Parce qu'apparemment, on est déjà deux fois sans le terminer. Donc, peut-être la troisième, non, ne sait pas. Mais du coup, Star Ocean 2, on est parti. Du coup, les petits réglages de départ. Alors, pour ce Star Ocean 2, on a donc le choix entre deux personnages pour commencer l'aventure, en sachant que ce sont deux personnages qui vont très vite se rencontrer dans l'histoire, et qu'on va globalement suivre l'histoire soit d'un côté, soit de l'autre, pour les fois où ils vont se séparer. Du coup, d'un côté, Claude Kenny, fils d'un héros de l'armée de la Fédération Terrestre, Ronixis G. Kenny, qui est un personnage du premier Star Ocean. Malgré son attitude sceptique, il suit les cours de base à l'Académie de la Fédération, jeune homme typique de 19 ans. Et de l'autre côté, Rena Lanford, créative et rêveuse. Rena est une jeune fille insouciante de 17 ans, elle excelle en art physique et possède de mystérieux pouvoirs curatifs. Elle vit à Arlia, dans la partie sud-ouest de la planète Expel. Donc voilà, d'un côté on a Claude Terrien, humain, tout ce qui est plus classique. Et de l'autre côté, on a Rena, qui vit donc sur la planète Expel. Et pour le coup, j'hésite un peu. Non, je pense qu'on va partir avec Rena. Et qui gardera évidemment le nom de Rena. On va jouer en mode actif, et on se retrouve une fois que la cinématique est passée, on se retrouve en jeu.
Et nous y voilà. Alors oui, hein, ça va piquer un peu les yeux, on est sur PlayStation 1, je rappelle. Hein. Donc ça commence à dater, mais voilà, bon, j'ai toujours été un grand fan de ce jeu, et je veux le terminer au moins une fois dans ma vie. Donc, je dois y aller. Attends. Quoi, mère? Comment ça, quoi? Tu y es allé hier et avant-hier? T'as pas besoin d'y retourner aujourd'hui. Mais je me sens si bien quand je suis là-bas. Je peux pas y aller? Non, tu ne peux pas. Il s'est passé tellement de choses étranges depuis que le globe de sorcellerie s'est posé ici. Nous avons subi un grand séisme la nuit dernière. Et j'ai entendu dire que les animaux étaient devenus très violents. N'y va pas, c'est trop dangereux. C'est pas le bon moment. J'y vais. Hein? Mais attends! Ah, cette fille, elle adore la forêt de Shingo. Pff, trop dangereux, trop dangereux. C'est ce que ma sotte de mère peut m'énerver. Ah, je vais vite aller jusqu'à la forêt de Shingo. Et nous y voilà. Alors déjà, avant même que qu'on dise quoi que ce soit et que qu'on le dise en commentaire, parce que je le vois venir, je sais très bien qu'il y a eu une version plus ou moins remaster sortie un peu plus tard. Mais il se trouve, que je trouve d'ailleurs une petite armure de cuir, donc on gagne un peu de défense et c'est très bien. Mais il se trouve surtout que cette version n'est sortie, en tout cas je n'ai pas trouvé de patch français. Elle n'est sortie qu'en anglais, en tout cas je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Donc, plutôt que de faire du link traduction à peu près, je me suis dit que voilà, j'avais juste plus envie de jouer sur cette version-là, la version originale, que sur la version pour laquelle je ne trouvais pas de traduction. Donc en soi, voilà. Une confiture de fraises. Alors pour le coup, ça va être évidemment du RPG, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais du RPG classique à l'ancienne, bien que pas forcément du tour par tour, vous verrez ça un peu plus tard, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors je parle pas forcément à tout le monde, je fais juste un petit, voilà, petit tour, hein, ramasse les coffres évidemment. De la cynorhodon. Et des myrtilles. On va laisser les gens tranquilles hein, pour l'instant. Mais voilà, donc voilà, on ne fera pas le jeu sur la version. Second Departure, je crois. Seconde Évolution, je sais plus le nom exact de l'autre version du jeu qui est sortie. Mais au moins, voilà. Vous le savez, vous savez que je le sais. C'est pas la peine de me dire et de dire ouais, mais pourquoi tu fais pas cette version? C'est juste que voilà, j'avais envie de jouer sur la version originale. Je ressens un tel calme chaque fois que je viens dans cette forêt de Shingo. Aujourd'hui, je crois que je vais m'aventurer un peu plus profondément. Et donc, la forêt de Shingo. Ah, je me sens parfaitement bien ici. Ma mère se fait toujours trop de soucis pour rien. Il n'y a rien de dangereux ici. À part des yétis. Attention! Derrière toi! Hein? Quoi? Ah! Escure! Cours! Et donc voilà, quand je disais que les deux personnages allaient se retrouver très rapidement, voilà. Bad. Here's the enemy. Burn! Et donc, pour l'instant, Burn! Je ne peux rien faire, hein. C'est le jeu qui joue Burn! Tout seul. Burn! A savoir que si j'avais choisi de jouer avec Claude, du coup, si j'avais choisi de commencer l'histoire avec lui, on aurait joué ce combat. Hey. Tout comme dans le camp inverse, en choisissant de jouer avec Rena, j'aurais des choses en plus que Claude ne verra pas, etc. Pouf, j'ai échappé belle. C'est qui cet homme?
Ces drôles de vêtements et cette lumière. Il a tué le monstre en un clin d'œil. Ça va? C'était juste, hein. J'ai envie de te demander quelque chose. Aïe! Fuite! Attends une minute! Non, c'est la fuite! Je m'en vais vite et loin. Ah, quelle surprise! Une rencontre si soudaine. Mais vraiment, j'aurais pas dû me sauver comme ça. T'as bien dit d'attendre, non? Il a bien dit d'attendre. Attends tout ça. Je me demande s'il va venir. Bon, je suis heureux que tu te sois arrêté et que tu m'as attendu. Je suis désolé de m'être sauvé comme ça. Ouais, c'est pas grave, t'en fais pas. C'était tellement étonnant. Tout est arrivé si vite. Je vois. Avais-tu eu peur? Oui, peut-être un peu. Mais je regrette sincèrement. Vous m'avez sauvé la vie. Pas de problème, t'inquiète pas. Mince, j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Reyna. Reyna Lanfort. Moi, je suis Claude. Claude Kelly. Enchanté. Quel plaisir est pour moi. Monsieur Claude, vous vouliez dire quelque chose? Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est rien. Où sommes-nous? Êtes-vous un voyageur? Ouais, si on veut. Et d'où venez-vous? De la planète Terre. Terre? Et où ça se trouve exactement? Eh bien, comment dire... je sais, c'est une planète qui se trouve très loin d'ici. En tout cas, je pense qu'elle est vraiment très loin d'ici. Une planète lointaine? Mince alors! Tu sais, c'est pas si étonnant, hein. Un peu quand même, hein, je... Monsieur Claude, de l'autre côté du pont, c'est Arlia. Ah, c'est le village dans lequel tu habites. Mais tu crois que je peux faire irruption comme ça, sans prévenir? Pas de problème. Je veux vous remercier officiellement pour m'avoir sauvé. Ah, c'est pas nécessaire, hein. C'était vraiment pas grand-chose. Vous en faites pas. De toute façon, nous ne pouvons pas organiser une grande fête. Et si un truc que je surkiffe par-dessus tout dans ce jeu, c'est les musiques. Je les trouve tellement cool. Bienvenue à Arlia. Que c'est joli comme endroit. Vous trouvez? Merci. Ouais, c'est très joli. Je m'y sens bien. Ah oui, pourrais-tu me faire visiter le village? D'accord. Ouais! Aïe! On est deux! Voici l'église d'Arlia. C'est là que sont célébrés les mariages dans le village. Le prêtre ici est très serviable. Il est toujours là en cas de besoin ou de conseil. Apparemment, c'est un homme extraordinaire. Oui, nous dépendons tous de lui. Voilà. Et on va faire le tour des maisons, tranquillement. Ce que j'ai fait juste avant pour piller les coffres, mais cette fois-ci pour de l'histoire. Pour une vraie visite guidée. C'est la maison des jeunes mariés. Ils n'arrêtent pas de recouler. Ça devient même gênant de les regarder. Je vois. Vous voyez voir?
Bonjour Rena, c'est lui ton petit ami ? Non. Ouais Rena, ton petit ami n'est pas mal, hein ? Elle était censée être mariée, je le rappelle. Très bien. Rena, ça fait longtemps que j'ai pas vu Monsieur Allen. Est-ce qu'il vient bientôt ? T'as raison, je me demande ce qui se passe. Rena, c'est qui, Monsieur Allen ? C'est un camarade de jeu de mon enfance. Il vit dans la ville voisine. C'est ça alors. C'est cela, oui. Donc ici, le marchand. C'est le magasin de Monsieur Hearn. On y trouve toutes sortes de choses utiles. Ça sent bon. C'est l'odeur des herbes. Des herbes ? Oui, des herbes médicinales qui guérissent les blessures. Qui guérissent les blessures, pardon. Le compagnon indispensable de tout voyageur. Ah bon ? Les herbes ? J'en ai jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler des herbes ? Jamais. C'est incroyable que tu sois arrivé ici jusque-là sans y avoir recours. Eh oui, mais ce n'est pas n'importe lequel des aventuriers, voyons. C'est un aventurier de l'Espace. Le maître de cette maison est charpentier. Il travaille maintenant dans la ville voisine et il doit souvent s'absenter. Il laisse les enfants tout seuls à la maison ? Oui, ça me fait de la peine. Je passe autant que je peux pour leur raconter des histoires. Ah, mais t'es vraiment gentil, dis donc. Mais pas vraiment... Non, arrête, hein. Aïe, aïe. Mademoiselle Rena. Votre papa est encore parti au travail ? Oui, mais il est parti pour 2 semaines. Mille dieux ! Mais c'est pas grave, hein. Je suis là pour protéger ma petite sœur. Ouais, mais nous sommes pas tout seuls, hein. Le grand frère est là et Mademoiselle Rena va jouer avec nous. Tu vas nous raconter une histoire aujourd'hui ? Je suis désolé, mais je suis très occupé. La prochaine fois, d'accord ? D'accord. Ah, sauve à toi, tu l'as promis, hein. Donc le mec, quand même, va bosser en laissant ses gosses 2 semaines, tout seul. Tout va bien. C'est la maison du maire du village d'Arlia. Un homme très intelligent. Mais il est pas là pour le moment. Bah voilà, on aura vu la maison du maire, hein, c'est très bien. Et du coup, notre maison à nous. C'est ma maison. Il faut que je range un peu l'intérieur. Attends-moi ici quelques minutes. Ok, j'attends. Je reviens tout de suite. Et donc voilà, là par exemple, les deux personnages se séparent. Donc si j'avais joué avec... si j'avais décidé de jouer avec Claude, on aurait vu ce que Claude est en train de faire dehors. Et on aurait dû attendre dehors que Rena finisse de ranger. Ah, Rena, te voilà. Qu'est-ce qui va pas ? Ah, mère, une chose incroyable est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'exagères toujours. J'exagère pas. Il est venu, le guerrier. Eh ? Le guerrier, le guerrier de la légende. Tu comprends pas ? Le guerrier est enfin arrivé pour nous sauver. Rena, tu es sûr ? Et oui, il portait des vêtements que j'ai jamais vus auparavant, et il avait une épée de lumière. L'épée de lumière ? Oui, j'ai été sauvé par une lumière mystérieuse dans la forêt de Shingo. Ça devait être l'épée de lumière. Et où est-il maintenant ? Il attend dehors. Rena. Hein ? Excusez-moi. Ah, Monsieur Claude, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, j'attendais, mais tu sortais pas, je me demandais ce qui se passait. Ah, désolé. Ça vous ennuierait d'attendre dehors un peu plus longtemps ? Ah non, pas du tout, hein. Tu vois pas d'inconvénient à ce que je me promène un peu dans le village ? Non, non, allez-y. Il m'a surprise. Rena, était-ce lui ?
Oui. Tu es sûr que c'est bien? Je veux dire, de le laisser tout seul comme ça. Bah c'est bon, je crois. Rena, demande-lui d'entrer, ce sera beaucoup mieux. Allons. D'accord, je vais l'appeler. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, de l'appeler ou quoi, est-ce que je peux aller voir s'il y a des coffres dans... Je peux pas. Faut vite que j'amène Monsieur Claude ici. Bon bah, tant pis. Et... Da-da-da-da. Là. Mère, tu m'as vraiment cru? Bien sûr, tu es ma fille après tout. Merci. Comment le jeu essaie de balancer des infos comme ça? Alors j'avoue que, comme je disais, c'est un jeu que j'ai essayé de faire donc deux fois par le passé, mais je ne l'ai jamais terminé, comme je disais. Et pour le coup, je me souviens de quelques trucs, j'avoue, voilà, quelques petits instants de scénar, mais dans les grandes lignes, j'ai globalement oublié le jeu, hein, donc voilà. Ne vous en faites pas, ça va être de la redécouverte pour ma part. Monsieur Claude, ah, ce jeune homme qui est venu il y a peu, il avait l'air préoccupé et m'a posé beaucoup de questions. Je crois qu'il est parti. Ah, ah. T'es parti où, Michel? T'as Claude? T'as t'es où? Bon, je sais que eux deux ne l'ont pas vu, puisqu'ils sont en train de flirter, tout ça, tout ça. Ils disent, ah non, on n'a pas vu. Ah, ce jeune homme, il m'a montré une chose étrange et il m'a demandé si ça me disait quelque chose. Quand je lui ai dit non, il est parti. Non, je veux pas marcher, je veux pas marchander. Je veux pas acheter, je... rien. Donne-moi mon argent. Est-ce que les deux petits, vous l'avez vu? Ils viennent passer, mais... Il est plus ici, maintenant. Tant pis. Chez le maire, peut-être? Bah, comme quoi, là, par exemple, je ne joue pas la comédie, je sais plus du tout où il est, hein. On va bien voir. Madame? Le maire devrait rentrer bientôt. Non. Du coup, c'est non. Toi? Ah, ce jeune homme? Quoi? Il était là il y a une minute. Oh. Il allait et venait et posait beaucoup de questions. Scarlia est un endroit si curieux que ça? Ben, pour quelqu'un qui est jamais venu, oui, quand même, j'imagine un minimum. Toi? Rena, il vit où ton petit ami? Je sais qu'il est pas d'Arlia et je ne l'ai jamais vu dans Salva. Je crois qu'il a dit qu'il savait même pas où c'était. Ah oui, ben non. Elle serait pas allée dans la forêt, quand même. Ah, ce jeune homme, il m'a semblé le voir se promener quelque part. Bon. Ça sert à rien d'aller dans la forêt. Bon, il est pas dans la forêt. Bah, j'ai parlé à peu près... Ah non, j'ai éteint tout... Oui, en ton tas, on s'en fout, Jacqueline. Je crois pas qu'ils soient sortis du village. Non, bah non. Du coup, il me reste que eux deux à voir, mais... Vous l'avez pas vu, n'est-ce pas? Quoi? Ah, ton nouveau petit ami, je ne l'ai pas vu. En parlant de quelqu'un que je n'ai pas vu, on va Dias Flak. Hein? Ah, lui? Ça fait combien d'années que Dias a quitté Arlia? Eh bien, on peut pas lui en vouloir, hein. Ça a été une tragédie terrible, c'est sûr, mais quand même. Bon, faut que j'y aille, hein. Ouais. Eh, c'est vrai que ça parle de Dias, personnage qu'on verra plus tard. Claude, mi de Dieu, t'es passé où? Toi? L'homme qui t'accompagnait il y a quelques minutes m'a posé des questions bizarres. Il a posé des questions sur des machines et des choses de ce genre. J'ai rien compris, alors je lui ai dit. Non? Excuse-moi, maman, je sais pas où il est. Il est partout. Demande-lui de venir. Oui, mais je l'ai... Je l'ai pas mu. Je l'ai pas mu dans le village. Bah pourtant, il est pas si grand que ça, le village. Donc là, on y est allé. Là, on y est allé. Ah, bah voilà. Monsieur Claude, désolé de vous avoir fait attendre. Bien, Rena, tu es prête? Ouais. Et du coup... Voilà, le menu, je vous le montre, comme ça au moins. Vous le voyez au moins une fois aujourd'hui. Spécialité, ça, bon, bah, ça va être les différentes compétences qu'on va pouvoir avoir tout au long du jeu. Les objets, bon, bah, ça se passe de commentaires. L'équipement, même chose. Aptitude. On va dire que ce sont des...
des traits qui vont nous débloquer des compétences. Enfin bref, vous verrez plus tard. Le statut, bon bah les stats habituels. Hein. Avec un petit artwork du personnage, parce qu'on aime bien. Voilà. Bon, les options, on s'en fout. Combat, ça je verrai plus tard. Et données pour sauvegarder. Voilà, voilà. Alors si, une chose que j'ai pas forcément montré. On va le montrer très vite fait. Voilà. Vous voyez tous les emplacements de personnages ? Ils seront tous utilisés. Et il y a même certains personnages qu'on ne pourra pas recruter parce qu'on aura trop de monde. Voilà, c'est une des particularités de ce jeu. C'est qu'il y a pas mal de personnages qu'on peut recruter ou ne pas recruter. Ça influencera la fin du jeu qu'on aura. Parce que oui, ce jeu a énormément de fins différentes. En fonction des actions, des dialogues qu'on fait, les fins que l'on verra seront différentes. Donc ça, c'est très cool. C'est pour ça qu'il est très probable qu'un de ces quatre, je refasse ce jeu plus tard en live. Cette fois-ci, pourquoi pas, je commencerai avec Claude. Mais bon, on verra plus tard. Et bonjour! Ah, Reyna, ça a été rapide. Tu arrives au bon moment. Je viens tout juste de terminer les préparatifs. Les préparatifs? Ah bah, quand je vois ce qu'il y a sur la table, ouais, tu m'étonnes. Oh, ça me donne faim en plus. Ah, maman, pourquoi cette montagne de nourriture? Est-ce que ce n'est pas appétissant? J'ai fait de mon mieux pour préparer tout ça. Je parle pas de ça. De quoi alors? Tu vas pas manger? Je voulais juste préparer quelque chose pour Monsieur Claude, pour le remercier de t'avoir sauvé. Je comprends, mais tu crois pas que c'est beaucoup? Tu crois? Est-ce que tu sais ce que mangent les hommes seulement, hein? Monsieur Claude, vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Bah, en fait, maintenant que j'y pense... Tu vois, les jeunes hommes peuvent manger beaucoup, beaucoup sans problème. Monsieur Claude, mangez tout ce que vous voudrez. Non, parce que spoiler, je tourne cet épisode, il est 19h passé. J'avoue que je commence à avoir un peu la dalle, hein. Maman... Bon, d'accord. Et que ça parle de bouffe, là, à l'aide. Hein. Une heure plus tard. Ouais, on a fait quand même un bon repas, hein. Bon repas qui a duré une heure. Ah, oh, j'en peux plus, je suis gavé. Et pas besoin de tout avaler jusqu'à la dernière miette, hein. Tu vas bien? Ça va, j'ai un gros appétit. Ah, c'est la faute de ma mère, elle a encore fait trop à manger. Mais qu'est-ce que c'était bon? Ma mère saurait pas préparer de telles merveilles, hein. Même si ce ne sont que des flatteries, je suis contente que le repas t'ait plu. Je reste en bas pour aider ma maman à débarrasser la table. Tu peux monter pour te détendre un peu? Ok, je vais me reposer un peu. Alors, monter. On est déjà à l'étage, en fait. Vas-y, va sur le toit. Donc, Rena, où est le jeune homme? Oh, il a dit qu'il avait assez mangé, il se repose en haut. Ah, bien. Rena, pourquoi ne passerais-tu pas chez le maire, puisque tu as un moment? Il fait nuit dehors, fais attention. Hein. Ok, je serai prudente, au revoir. Allez, go! Allons chercher le maire. Ah. En vrai, je suis tellement content de me relancer sur ce jeu. C'est très con, hein, mais voilà. Monsieur le maire! Je sais pertinemment que c'est un jeu qui fera pas énormément de vues, parce que c'est un jeu qui date, c'est un jeu qui a fait son temps, dirons-nous. Mais je sais que c'est un jeu qui a une fanbase qui est quand même assez importante. Et moi, j'avais clairement envie de le faire. Et puis, vous le savez, de toute façon, sur cette chaîne, on n'est pas là pour courir après les vues. Je fais des jeux qui me plaisent avant tout. Donc voilà, vous le savez. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ce refus, Reyna? Monsieur le maire, réagissez, venez vite chez nous. Ah, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le guerrier est enfin arrivé. Quoi? C'est la vérité, il avait l'épée de lumière, c'est forcément lui. Comment? L'épée de lumière? Il portait aussi des habits étrangers. Ça ne peut être que lui. Cet homme est forcément le guerrier de la légende. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Voyons, Reyna, où as-tu vu ce personnage? Dans la forêt de Shingo, il m'a sauvé avec son épée de lumière alors qu'un démon m'attaquait. Il est chez moi en ce moment même.
C'est vrai, hein. Et en plus, il a dit qu'il voyage, même s'il sait pas d'où il est. Même s'il ne sait pas où il est, pardon. Il ne sait même pas d'où il vient. Bah si, bah c'est juste que c'est compliqué. Vous trouvez pas ça bizarre ? Certainement. C'est très étrange. Je sais que ce n'est pas que tu n'es pas du genre à mentir. Mais monsieur le maire. Bon, je ne serai pas plus avancé tant que je ne l'aurai pas rencontré. Allons écouter son histoire. Ok. Allez go. Maman, c'est moi. Ah mon Dieu, Rena, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi t'es si énervé? Je l'ai fait. Et qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? À propos du guerrier. Tu lui as dit? Et comment a réagi Monsieur Claude? Je crois qu'il n'a pas vraiment compris. S'il te plaît, calme-toi. Il ne comprend toujours pas la situation, n'est-ce pas? Bah oui. Non mais c'est musique quoi, c'est musique d'ambiance, tellement cool, tellement chill. Alors, vous êtes Monsieur Claude, enchanté. Je m'appelle Régis et je suis le maire de ce village. Oui, je suis Claude. Petit changement de caméra. On m'a dit que vous aviez sauvé Rena dans la forêt de Shingo. Je vous en suis très reconnaissant. Oh, c'est rien. Rena m'a dit que vous étiez en voyage. Bah, c'est un bien grand mot, mais... Et quelle est votre destination? Le royaume de Croix ou peut-être le continent de la cour? Vous ne savez pas où vous êtes et vous n'êtes pas sûr de votre destination. Vous faites un bien étrange voyageur, il faut l'admettre. Que voulez-vous dire? Au risque de vous paraître grossier, je dois vous dire que vous mentez, Monsieur Claude. Vous n'êtes pas un simple voyageur. Si je ne suis pas un voyageur, que suis-je alors? Un homme venu d'un autre monde, le guerrier de la légende. Vous vous déguisez en voyageur pour espionner le monde. Est-ce que je me trompe? N'êtes-vous pas le guerrier venu pour nous sauver? En soi, il vient d'un autre monde. Mais bon... Quoi? Attendez une minute, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, ce sont, entre autres, les légendes locales transmises à travers les âges. Elles disent « Lorsque la terre d'Expel sera menacée et que le peuple sera dans la souffrance, un guerrier vêtu d'habits étrangers surgira. Il portera une épée de lumière et sauvera le peuple. » Vous portez des habits étrangers et une épée de lumière. Avons-nous besoin de preuves supplémentaires? J'ai rien qui ressemble à une épée de lumière l'épée de lumière dont vous parlez. Mais quand vous m'avez sauvé, vous avez utilisé une arme qui envoie un faisceau de lumière éblouissant, n'est-ce pas? C'était peut-être quelqu'un d'autre? Non, c'est bien lui. Et si vous voulez savoir ce que c'est, vous verrez quand on fera le jeu côté Claude, plus tard. Je comprends pour l'épée de lumière. C'est pas exactement une épée de lumière, mais j'ai bien une telle arme. Mais ça ne fait pas de moi le guerrier que vous attendez, ça doit être une erreur. Pourquoi vous dites ça? Parce que je ne suis en aucun cas le guerrier. Je n'ai pas de tel pouvoir. D'abord, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et pour que vous me demandiez soudain de vous aider... Vous ne savez vraiment pas? À propos du globe de sorcellerie et des désastres? Ils ne se produisent pas dans ce village. Les désastres se produisent partout dans le monde. Vous n'êtes visiblement pas au courant. Laissez-moi vous expliquer.
Et en fait, c'est très simple. Tout a commencé il y a 3 mois. Sur un autre continent situé au nord-ouest de ce village se trouve le royaume de Hel. Un jour, une météorite vint soudain atterrir dans le village de Eloria, l'un des domaines du royaume de Hel. Cela a d'abord commencé par quelques petites histoires sur le fait qu'il s'agissait d'une météorite rare, mais bientôt... À la fin, des faits inhabituels ont commencé à se produire. Une foule de démons en groupe ont soudain commencé à tourmenter le royaume de Hel, qui était demeuré jusqu'ici paisible. Ces démons devinrent progressivement violents. Rien de tout cela ne s'était jamais produit, du moins jusqu'à ce que cette météorite tombe. Pensez-vous bizarre de croire qu'il y a un rapport quelconque ? Nous décidâmes d'appeler cette météorite Globe de sorcellerie, ou Pierre de sorcellerie. J'ai beau y réfléchir de plusieurs manières différentes, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette pierre est à l'origine de tous les malheurs. Cette musique qui fait tellement penser au thème de Final Fantasy. Le globe de sorcellerie est subitement tombé au sol et maintenant vous apparaissez soudainement. Si cette météorite est à l'origine de tous nos malheurs, vous êtes le seul à pouvoir y mettre fin. Des désastres se produisent en ce moment même partout dans le monde. Des séismes d'une intensité jamais vue, des animaux transformés en démons. Un jour ou l'autre, ces malheurs s'abattront aussi sur ce village. Ouais, je veux bien, mais en fait, si c'est pas moi le guerrier. Mais je n'ai pas de tel pouvoir. Je n'ai aucune chance face à une météorite capable de causer de tels malheurs. Alors d'où venez-vous exactement et où allez-vous ? Ça, c'est pas facile à expliquer. Même si je vous l'expliquais, je doute que vous compreniez. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas arrivé ici de mon plein gré, mais plutôt par accident. Vous êtes si vague que j'ai du mal à vous comprendre. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Je vois. Puisque vous le démentez avec autant de virulence, ce que vous dites doit être vrai. Donc je vois que vous n'êtes pas vraiment le guerrier. Mais non. Je suis désolé, je sais que cela doit être une grande déception pour vous. Oui, mais ce malentendu est de notre faute. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé. Ouais, c'est toi qui as tout balancé, je te rassure. Alors, je... Rina ! Je vais faire un tour, hein, laissez-moi tranquille. Incroyable, je savais que c'était lui. Il portait les habits étrangers et l'épée de lumière. Et après cela, une bonne nuit de sommeil. Ah bah voilà! À moi! Une mûre! Allez go! Il fait tellement beau aujourd'hui, pourquoi ne vas-tu pas te promener? Faudrait savoir, hein. Hier tu veux pas que je sorte, aujourd'hui tu me dis vas-y bouge. Au bout d'un moment, faut se mettre d'accord. Mais enfin. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. On va arriver pendant des 40 minutes, je me dis que c'est pas trop mal pour un RPG, hein, puisque on va suivre globalement le temps d'épisode que je fais généralement sur des RPG, pardon, aux alentours de 40 minutes par épisode. Parce que bon, voilà, on se le dise, c'est des RPG, donc si je fais des épisodes de 25-30 minutes, il va rien se passer. Enfin bref. Du coup voilà, pour le premier épisode de cette aventure sur Star Ocean 2, la version originale de PlayStation 1, hein, la vieille, le petit truc gris, là, le petit rectangle.
Enfin, le petit pavé, plutôt. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et vous a emporté dans cette petite histoire qu'on va découvrir au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao.